la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le 12 mai, donc le dimanche 12 mai. Je suis en train d'essayer d'avancer ce colo. Donc on a une illustration qui vient du 4 saisons Disney. Je vous ai fait sur Instagram déjà un mini tuto combo pour réaliser les fleurs violettes. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon compte hein, si vous voulez savoir comment je fais mes fleurs. Après, bon bah vous n'avez plus qu'à changer les couleurs hein, quand vous voulez en faire des roses, des oranges, tout ce que vous voulez. Mais voilà, vous pouvez aller voir directement sur mon compte Insta pour découvrir ma façon de réaliser mes fleurs, enfin du moins les fleurs dans ce genre-là. Ouais, alors là je vous prends pour un vlog que j'aurais dû commencer un petit peu plus tôt, mais en fait, bon bah voilà, j'ai un peu de retard. Je vous avais filmé pas mal de petites scènes de vie. Et je m'étais dit que bah, je vous prendrais en mode vlog et finalement, je n'ai pas eu vraiment l'occasion de le faire. Donc voilà, je m'y mets là. Je vais vous expliquer un petit peu hein, tout ce qu'il y a pu avoir là en début de vlog, puisqu'il s'est passé quand même pas mal de choses chez moi. Tout d'abord, j'ai eu le plaisir de retrouver différentes personnes que j'avais pu rencontrer lors de l'événement PKJ. Donc maintenant, ce sont des copines de lecture. Voilà, on a décidé de lancer un petit book club, de se retrouver, et puis de, pas forcément hein, de lire ensemble des livres, mais de parler de nos lectures, de se retrouver soit à la bibliothèque, soit en allant boire un coup, ou les unes chez les autres, voilà. Et les uns et les unes chez les autres, puisque mon fils étant dans le club, nous avons quand même déjà un garçon. Et puis bah voilà, c'est agréable, on s'est retrouvés à plusieurs à la bibliothèque, ensuite, oui, on devait aller à la bibli, puis en tout premier, plusieurs des filles nous ont proposé d'aller dans une librairie de Marseille qu'on ne connaissait pas du tout, qui s'appelle Les Voix des Chapitres, et qui est mais juste magnifique, franchement, c'est sublime, les deux jeunes hommes qui étaient là pour un petit peu tout nous expliquer et tout sont hyper agréables, hyper accueillants. On sent qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent quand ils nous proposent différents livres. Voilà, il suffit de leur dire un petit peu ce qu'on aime et ils sont tout de suite à l'écoute et ils peuvent nous partager facilement des idées de lecture. Vraiment très très contente parce qu'on a passé un bon moment. En plus, il y a un chien ou une chienne d'ailleurs, je ne sais pas, j'ai pas demandé. Petit corgi qui est là, à qui on peut faire des petits câlins et tout, qui est adorable. L'ambiance de cette librairie, c'est juste génial. Donc, ravie et avoir pu retrouver ces personnes que maintenant je suis aussi sur Insta et avec qui on peut parler lecture, c'est génial. Vraiment, c'est top. Donc, en plus, on aime un petit peu de tout, ce qui fait qu'on peut aussi bien parler. Roman, on peut parler BD, on peut parler manga, enfin voilà, donc c'est chouette, ça me plaît beaucoup. Vraiment très très contente d'avoir pu faire la connaissance de toutes ces personnes. Sachant que là, bon, on n'a pas pu toutes et tous se retrouver, donc on essaiera de se refaire ça pour être un petit peu plus nombreux la prochaine fois. Mais vraiment, c'était un très bon moment. Ensuite, on est allé boire un coup, enfin voilà. Et depuis, on communique pas mal sur les réseaux. Et donc, belle découverte que cette librairie, et bien entendu, que ce soit mon fils, ma fille ou moi, alors je suis désolée, je vais me mettre un peu comme ça, ça sera plus simple pour moi, on n'est pas revenu les mains vides, voilà, on a craqué quoi, on s'est acheté différents livres, moi il y avait déjà des bouquins que je voulais, donc contente d'avoir pu les trouver, mais en plus c'était super agréable d'avoir... des personnes comme ça qui ont pu nous guider un petit peu, nous montrer différents livres qu'on ne connaissait pas forcément, nous en parler et nous donner envie, quoi. Bon, je remettrai un petit peu plus de brun parce que c'est pas assez foncé par endroit, mais du coup, je veux d'abord vous montrer ce que j'ai acheté dans cette librairie. Alors, moi, je voulais me trouver ces deux bouquins. Je vais peut-être vous dézoomer un peu, hein. Faire ça doucement, voilà. Bon, c'est un peu le bazar là aujourd'hui autour de moi. J'ai tout qui est regroupé parce que bon, y a beaucoup de choses. Sur ma table de salon, c'est un peu rempli. Alors, je vais pousser ça. Voilà.
Donc, je suis contente. J'ai pu trouver ces deux livres que je voulais vraiment découvrir, donc version un peu manga. Ça vient en fait de la. Enfin, ça a été fait par la librairie Le Renard Doré. Et donc, c'est, vous savez, l'auteur de Les Mémoires de la Forêt, hein, qui a lancé Le Renard Doré. Et voilà, là, ce sont deux des livres qu'on peut trouver chez Le Renard Doré que j'avais très, très, très envie de découvrir. Alors actuellement, je n'en ai lu qu'un. J'ai juste lu celui-là. J'ai pas encore eu le temps de découvrir la forêt magique de Hoshigara. Ça doit se dire comme ça. Celui-là, j'ai pas encore eu le temps. Mais celui-là, je l'ai lu. Donc le voyage d'Ourseline, c'est très très beau. Donc déjà, bon bah, les graphismes sont très doux. L'histoire est très douce. On a vraiment ce côté un peu comme les Mémoires de la forêt. Hein. C'est tout doux, c'est adorable. On va avoir un ours qui a une petite marque en lune, donc son nom va devenir Ourseline, qui va faire la connaissance d'une corneille. Et notre ours étant seul, aimerait retrouver un peu les siens, la corneille va l'accompagner, vont voyager pour essayer de retrouver les autres ours. Voilà. Ils vont forcément croiser plein d'autres animaux, découvrir plein de choses. Tout ça, je vous laisse voir si vous voulez. Vous plongez dans cette lecture, je ne vais pas tout vous raconter, mais c'est très très beau, très doux, enfin voilà. Moi j'ai énormément aimé et donc j'ai hâte de me plonger dans celui-là. Je vais vous le mettre dans le bon sens, hein, voilà, dans celui-là. Sachant que il y a un autre livre qui est sorti en même temps, c'est celui-ci, Ma mamie adorée. Donc il était dispo aussi hein, à la librairie où j'étais, mais ça ne m'intéressait pas trop, je voulais vraiment les deux là. Donc voilà, très très contente d'avoir ça. Et donc, moi, je ne venais au départ que pour ça. Enfin, je m'étais dit que je ne prendrais que ça. Mais bien entendu, vu qu'on m'a parlé d'autres lectures et tout, on a pas mal parlé aussi de l'univers Ghibli. Quand j'ai précisé que j'adorais l'univers Ghibli, voilà, on m'a tenté. Voilà. Les libraires m'ont parlé de ce livre, Le Serment des Sept Miroirs. Où on m'a dit que quand on le lit, c'est vraiment, voilà, on a vraiment l'impression d'être dans un Ghibli un petit peu, donc de se plonger dans ce style d'univers. Et donc, j'ai craqué. J'ai vraiment craqué. Je me suis dit, allez, je suis plus trop à acheter des bouquins en temps normal. Je vais plutôt les prendre à la bibliothèque. Mais voilà, là, du fait qu'on a notre petit book club, je vais avoir envie un petit peu de replonger dans certains livres que j'aurai moi. Faut dire que bon, je vais pas non plus continuer à acheter des millions de livres de colo. Bon, je dis ça, mais je sais que j'en ai déjà quelques-uns hein, que j'ai envie d'acheter. Mais voilà, au bout d'un moment, les livres de colo, j'aurai jamais assez d'une vie pour les remplir. Donc, je vais peut-être doucement me prendre d'autres livres, sachant que si j'ai craqué et que je l'ai pris, c'est parce que ma fille m'a dit qu'elle aimerait le lire aussi. Donc voilà, je me dis. Si c'est un bouquin où on va être plusieurs à avoir envie de le lire, mon fils va sûrement avoir envie aussi d'ailleurs, c'est plus intéressant pour moi de les prendre. Si je peux le trouver en bibli et qu'il y a que moi qui vais avoir envie de le lire, j'ai pas d'intérêt forcément de l'acheter, j'ai pas la place de me faire une énorme bibliothèque, donc bon. Donc voilà, donc celui-là, le serment pardon, des sept miroirs, j'ai hâte de me plonger dedans. Je vais vous lire un petit peu. Le résumé, hein, comme ça, si ça vous intéresse. Dans les hauteurs de Terre-Ciel, contrées aux îlots montagneux, lévitant à la force du souffle, les jeunes aspirants sylphes, enfin, je pense qu'on le dit comme ça, se préparent à intégrer l'étude et ses 13 tours. Élevés par celui qu'elle appelle grand-père sur une planeuse isolée, Naalis ne fait pas exception et doit rejoindre ce lieu de savoir pour devenir une sylphide accomplie. Au programme Éveil à la danse du vent, écoute de rumeurs murmurées ou encore combat traditionnel, la chevelure rose de Naalis, si différente de celle des habitants du ciel et lui rappelant constamment ses origines mystérieuses, lui vaut très tôt la suspicion acharnée de la directrice et les moqueries de ses camarades. Si l'adolescente doit faire ses preuves pour se faire accepter, ce n'est rien devant la véritable épreuve qui l'attend. Confrontée à des phénomènes étranges et d'inquiétantes visions, Naalis comprend que des forces anciennes aux sombres desseins
sont sur le point de s'abattre sur son monde. Voilà, donc vraiment hâte de le lire, mais bon, j'ai pas mal d'autres lectures là encore, pas mal d'emprunts à la Bibli, j'ai aussi un bouquin que j'avais emprunté à mon fils, voilà, j'ai encore pas mal de choses à lire avant, donc je ne me suis pas encore plongée dedans. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais on a toute une partie là holographique, c'est très très joli. Voilà, un livre magnifique. Donc voilà, j'ai craqué là-dessus en allant à la voie des chapitres. Hop, je vais reprendre mon petit colo. Donc j'ai dit que je voulais un peu foncer. Alors ouais, là au niveau des cheveux de ma petite fée, j'ai cherché un petit peu sur internet hein, pour voir, je ne sais plus comment elle s'appelle, Roselia, Roseline, un truc comme ça. J'ai cherché pour savoir un petit peu bah, quelle couleur mettre pour ses cheveux. Et suivant les images, soit elle les a bien bruns, soit elle les a qui tirent un petit peu sur un brun limite roux. Donc, bah, je me suis dit que j'allais faire un peu un mélange des deux, hein, c'est-à-dire lui mettre ce petit côté brun avec des petits reflets tirant un petit peu voilà, sur le rouge, l'orange. Limite un petit côté, comment on dit, auburn, c'est ça, quand il y a un peu de rouge, je ne sais plus. Mais... voilà, j'ai pensé que ça pourrait être sympa de faire un peu le mélange des deux, puisque je n'arrivais pas à vraiment savoir la couleur précise qu'elle a. Donc. Alors, j'aimerais bien réussir à le terminer aujourd'hui ce colo, mais j'ai vraiment pas d'inspi pour le fond. Je ne sais pas. Ce que je fais, je ne sais pas la couleur, je ne sais pas le matériel que je vais utiliser. Enfin voilà, c'est vraiment manque d'inspi pour le fond. Alors que ben, j'aimerais le finir parce que j'ai un trio à faire dans ce livre. Et en plus, je voudrais me refaire un petit coup de colo mystère, me plonger dans une double page. Mais j'aime pas avoir 50 colos en route, donc bon. Donc là, je voudrais avancer ça. Sinon, donc toujours pour en revenir à tout ce que vous avez pu voir avant en vidéo, on s'est fait aussi des petits moments cinéma. Donc nous sommes allés voir The Fall Guy. Alors avec Ryan, je ne sais jamais plus Gosling ou Reynolds. Les deux, à chaque fois, je ne sais plus quel a quel nom de famille. Si Johanna passe par là, petit clin d'œil à toi, puisqu'à chaque fois je te redemande, je ne sais jamais plus lequel c'est dedans. Et donc, on s'est fait ce film-là, qui était vraiment très très sympa, hein, où il joue le rôle d'un cascadeur qui, à la suite d'une blessure, va arrêter son boulot de cascadeur, mais qui va devoir se replonger un peu là-dedans quelques temps après, et qui, en même temps, va se retrouver au cœur d'un genre d'enquête, voilà, puisque l'acteur principal du film, hein, celui pour lequel lui il fait les cascades, a disparu, voilà, et c'est franchement très sympa, c'est plein d'humour, la fin, alors franchement, je vous invite à aller le voir, rien que pour le côté fin auquel, moi, je ne m'attendais pas du tout, voilà, on a une petite, un petit moment où on a un acteur que je ne voyais pas du tout dans ce film-là qui apparaît, donc vraiment très sympa, on y allait en tribu et tout le monde a adoré, du plus jeune au plus grand, hein, enfin au plus vieux. C'était très chouette. Et puis, on s'est fait, ça s'appelle Les Cartes du Mal, si je ne dis pas de bêtises, donc film d'horreur. Chouette aussi, vraiment. C'est un film, un film qui m'a bien plu, même si j'avoue qu'il y a quelques moments où on se dit, ouais, là, c'est un peu... Ils sont pas allés très loin, voilà. Il y a quelques événements où ils auraient pu pousser un peu. Mais c'est sympa, donc là ce sont des jeunes qui vont trouver des cartes de tarot, qui vont décider de faire un tirage. Et malheureusement, en faisant les tirages pour chacun d'eux, ils vont libérer une force obscure. Et bien entendu, ça va se retourner contre eux. Voilà. Donc vraiment, des derniers films d'horreur que j'ai pu voir ces derniers temps, disons que celui-là, ça va être un de ceux que j'ai le plus aimé, même si, déjà, je reste un peu sur ma faim, voilà, vraiment au niveau de la faim, hein, c'est le cas de le dire, ça aurait pu être amené un peu autrement, à mon goût,
Et un ou deux éléments, notamment par rapport à un personnage qui va se retrouver un moment dans un ascenseur et où je pense que ouais, ils auraient pu pousser un peu plus. Mais bon, sinon, c'est sympa, ça se regarde. Si on aime le côté film d'horreur et tout, c'est plutôt cool. Je vais lui faire comment cette petite mèche? Un peu plus sombre ou un peu plus clair? On va partir comme ça. Voilà, donc niveau ciné, on en est là, sachant qu'il y a d'autres films qu'on aimerait aller voir, notamment commencer Abigail ou quelque chose comme ça, là, avec une histoire de vampire, enfin de gamine vampire. Donc ouais, plusieurs films qu'on veut aller voir jusqu'à cet été. Il y en a pas mal là qui pourraient nous intéresser. Notamment là, comment ça va être Blue ou quelque chose comme ça là? Blue et compagnie, ou je sais plus comment c'est. Ça, ouais, on a grave envie, ma fille et moi, de le voir. Donc, je pense que d'ici peu, on va aller, voilà, on va se retrouver toutes les deux au ciné. Enfin, toutes les deux, ou peut-être à plus, mais je crois que mon plus jeune fils, ça ne l'intéresse pas du tout. Mon grand, je ne sais pas. Donc, voilà, c'est sûrement l'un des prochains films que je vais aller voir. Bon, n'hésitez pas à me dire, hein, vous, si vous êtes allé au ciné ces derniers temps, ce que vous avez pu voir, peut-être vous aurez vu des choses que moi je n'ai pas vues et que vous pourrez me donner des envies. On ne sait jamais. Allez-y, hein, dites-moi tout ça. Sinon, bah, toujours pour rester dans ce que vous avez pu voir en vidéo ou même sur mon compte Insta, hein, si vous êtes passé, enfin en story Insta, avec mon chéri, nous avons fêté il y a 2 jours nos 16 ans de mariage. Et ouais, ça commence à chiffrer, hein. Bon, faut dire qu'on a notre plus grand qui, à la fin de l'année, aura 20 ans déjà. Donc voilà, ça fait aussi un sacré moment qu'on est ensemble. Et donc voilà, là, 16 ans de mariage. Pour l'occasion, bon, on s'est pas fait de cadeaux, tout comme ça. Là, on n'avait pas spécialement le budget pour. Puis bon, pas besoin forcément de quelque chose. Mais bon, on a voulu se faire un petit moment sympa et le faire en tribu. C'est-à-dire que nos enfants nous ont dit, bah non, mais on vient pas avec vous, faites-le juste vous. Et finalement, non, nous, on avait envie vraiment de partager un moment tous ensemble. Donc, on voulait aller découvrir les sources de Luvaune. J'avais vu ça sur un compte Insta. Alors, je vous mets le nom, hein, parce que je ne sais plus par cœur le nom. De la personne chez qui j'avais vu ça. Et donc on s'est dit on va essayer d'aller découvrir ça puisque c'est pas non plus hyper loin de chez nous. Donc bah, ça tombait bien, mon plus grand ne travaillant pas, on a pu partir toute la tribu ensemble. Je viens de me faire un trou un peu en dehors là, c'est quoi ce bazar? Et donc bah, on est parti tous ensemble, on s'est posé pour se faire un genre de petit pique-nique à la cool. Et ensuite, on est parti à la recherche donc des sources de Luvaune. Alors, comment vous dire que, bon, à mon avis, on n'a pas vu la totalité, on n'a pas pu tout découvrir au niveau des sources de Luvaune parce que, mine de rien, on a quand même fait pas mal de marches. Je ne sais pas si on s'est garé hein, au plus près de là où on pouvait aller en voiture, mais après, on s'est fait une bonne rando. Et on commençait à être un peu tous HS. Surtout que moi, bah, lors du pique-nique, j'ai mangé des trucs auxquels normalement je n'ai pas le droit. Donc je commençais à avoir pas mal de douleurs. Enfin voilà, on était en plein cagnard, on n'en pouvait plus. Donc on est allé au maxi de ce qu'on pouvait. Mais rien que déjà, ce qu'on a vu, c'était très joli. Bon, je pense que dans des périodes où il y a plus d'eau, ça doit être encore plus sympa. Mais c'était chouette, un bon moment. Et en plus, c'est un coin où. Incroyable le nombre de grenouilles qu'il peut y avoir. Hein. On entendait des grenouilles à gogo, ça n'arrêtait pas. Donc vraiment un très très bon moment. Je suis en train de réfléchir. La partie là, oui, après, je vais déjà m'occuper de là. Donc voilà, on s'est fait ça tous ensemble. C'était chouette, un moment très sympa. Mais alors, c'était il y a 2 jours et comment vous dire que j'ai toujours mal au mollet. Voilà. Vu que actuellement hein, je fais plus trop de sport, de choses comme ça, puisque avec les soucis de dos et tout, bah du coup je sens que là on voit que je ne bouge plus. Bon, je fais un peu de vélo d'appart, de trucs comme ça, mais c'est vrai que c'est là ces derniers temps, j'avais vraiment trop mal pour ça, tenir sur le vélo et tout.
Donc j'ai pu faire grand-chose et donc là mes mollets ont pris un coup. Ce qui fait que ouais, je me dis que tant que là, à avoir un peu réussi à faire une bonne marche et tout, je vais essayer de m'y remettre un peu, on verra bien, tout doucement, hein, sans forcer. Si j'arrive à tenir, à faire un petit peu de sport, j'aimerais bien faire un peu de pilates. Bah, tant mieux, hein, voilà, si j'y arrive un petit peu, sinon bon bah tant pis, ce sera que yoga, truc comme ça. Mais là, c'était très très agréable, ce petit moment, tous ensemble pour notre anniversaire de mariage. Je vous ai même pas donné là les teintes. Je vais vous donner ça au cas où. Donc là, ce sont les prismas. J'ai le 1099, le 944 et le 943. Je pense que je vais en remettre un petit peu là, parce que je trouve que on voit trop le côté blanc que j'ai mis. Voilà, ça me va mieux comme ça. Sinon, alors, j'ai avancé un peu niveau lecture, mais je vais d'abord vous parler d'autre chose. Nous sommes allés hier avec ma fille à... va falloir que je mette mon sous-main à laver, hein, il y a du crayon partout, enfin des pigments partout. Donc, nous sommes allés à un salon littéraire qui s'appelle La Cigale lit aussi, je crois. Ça doit être ça. Donc je ne connaissais pas du tout. Hein. Je suis tombée par-dessus, par hasard. Par hasard dessus. Ça va mieux. Désolée. Via Insta. Et ça avait lieu à Gréasque. Donc c'est pas hyper loin de chez moi. Donc voilà. J'avais envie d'y aller. Ma fille aussi. On s'est fait ça. Bon, mon chéri nous a emmenés. Comment vous dire qu'il a passé quasiment tout le temps où on était dans le salon assis sur un banc au soleil dehors. Parce que ça ne l'intéressait pas. Et que comme ma fille voulait passer à chaque stand pour vraiment en apprendre plus sur tous les livres qui étaient présentés, on a mis quand même facile. On a bien dû rester 3 heures alors que c'était pas un grand salon, hein, vraiment pas. Mais bon, c'était très sympa. Et donc, bah, on est revenu quand même les mains un peu chargées. On est revenu alors déjà avec. Hop, je vais essayer d'attraper. On a énormément, énormément de flyers, de choses comme ça, puisque. Comme je vous dis, on est passé un peu partout et on a pris un petit peu toutes les infos pour pouvoir plus tard reprendre des livres si on a envie, puisque tout le monde nous a dit qu'on pouvait les commander aussi sur Amazon. Hein. La plupart sont auto-édités ou voilà, et on peut retrouver. Alors là, c'est un marque-page du livre L'art de s'évaporer. Et là, je regrette parce qu'au départ, j'avais pris le marque-page en me disant, parce qu'on a fait le tour en fait du salon. Pour vraiment voir tout ce qu'il y avait et on s'était dit ensuite on ira voilà on ira prendre nos gros coups de cœur hein, on pouvait pas tout prendre et le livre L'art de s'évaporer je voulais l'acheter sauf que j'ai oublié voilà comme on l'avait remis après tous les marque-pages et tout dans un sac on est passé prendre certains livres et c'est en rentrant à la maison que je me suis dit mais mince celui-là je voulais me le prendre et j'ai oublié donc je pense que une fois que j'aurai un peu avancé là dans toutes mes lectures je le commanderai sur Amazon. Parce que bah, ce que l'auteur m'a décrit m'a vraiment plu. On va avoir, voilà, dans ce que je me souviens, une jeune femme, alors elle nous l'a décrite un peu comme Mercredi Adams, hein, voilà, peut-être un côté un peu sombre et tout, qui va vivre avec une autre jeune fille qui, elle, est un petit peu plus extravertie et tout. Et un jour, bah, cette jeune fille va disparaître et donc bah, la première jeune femme va commencer un petit peu à se poser des questions. Et il va y avoir tout un côté art. Alors, si je me souviens bien ce qu'elle expliquait, c'est que elle va voir un peu des choses à travers des tableaux. Et il va y avoir une particularité dans ce livre, c'est que quand il y a une référence à un tableau ou autre, il y a un QR code pour que l'on puisse bah voilà, scanner le QR code et directement voir le tableau en vrai, puisque c'est basé sur des tableaux qui existent. Donc, comme ça, on peut savoir en fait de quel tableau il s'agit et avoir des éléments dessus. Pour comprendre la suite bah, des événements du livre. Et ça, je trouvais ça super sympa, ce côté un petit peu ludique avec les QR codes et qui nous permet, voilà, ce côté qui nous permet de voir vraiment les tableaux dont on parle dans le livre et bah, d'apprendre des choses tout en bouquinant.
Sauf que voilà, j'ai oublié de le prendre. Donc, je le commanderai parce qu'en plus de ce que j'ai pu voir là en cherchant, l'auteur, donc Marino Reniero, est une auteure française mais qui a l'air d'être en Italie. Donc, du coup, voilà, je ne vais pas la recroiser dans 2 jours dans un autre salon, je ne pense pas. Voilà, donc je le commanderai. En plus, j'ai vu sur Amazon, il est à un peu plus de 10 euros, donc ça va. Mais vraiment déçu d'avoir oublié de le prendre. Bref, donc voilà, on est revenu avec beaucoup, beaucoup de marque-pages, de prospectus, de flyers, pardon, et tout ça, pour faire des recherches et nous faire une grosse palle, voilà. Mais sur celui-là, je le commande dès que j'ai un peu avancé dans mes lectures. Donc, bien entendu, on n'est parvenu qu'avec des pubs, des flyers, des trucs comme ça. On a fait des achats. Du coup, on a craqué sur le tome 1 et le tome 2 des aventures de Grison. Donc, Grison étant un petit chat. Donc, les fantômes de Grison et la malédiction de Grison. Et là, on va suivre justement un chat, et même il y en aura d'autres, qui voit les fantômes. Et donc, voilà, on va avoir tout par rapport à ça. Ah, bah d'ailleurs, là, inclut le Noël de Grison. Donc, le tome 1. Voilà le résumé. Je vois des fantômes. Normal pour un chat. Ce qui est moins normal, c'est que ces spectres-là vont finir par chasser tout le monde de la maison. Mais qu'est-ce qu'une petite chatte grise, grincheuse et territoriale peut bien y faire, je vous le demande. Mes humains n'y comprennent rien. Quoi? M'allier aux autres animaux de la maison? Pire, m'allier à un chat de dehors? Jamais. Il faudrait que la situation soit vraiment absolue, soit vraiment absolument désespérément désespérée. Voilà, donc ça c'est le tome 1. Il y a le tome 2. Je ne sais plus, je crois qu'elle a dit qu'il y aurait peut-être d'autres tomes. Je ne sais plus tout à fait. Mais ça m'a parlé. Je me suis dit que ça se lirait très très vite. Ça plairait à ma fille. Et puis surtout, pourquoi ça m'a parlé? Bah, parce qu'on dit souvent hein, que les animaux voient des choses qu'on ne voit pas. Et mon chat a une fâcheuse tendance, quand on est dans le salon ou autre, à d'un coup se mettre à fixer un point toujours au même endroit. Et à rester comme ça, à le regarder pendant des plombes. On peut faire ce qu'on veut, mettre notre main devant lui ou autre, il va continuer à aller le. Enfin, il va tout faire pour le regarder. Donc, à chaque fois, je rigole en disant à ma fille, t'as vu Moonlight, il a dû repérer, il doit y avoir un esprit là, dans le coin de la pièce. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit que ce serait marrant de lire ça, ma fille et moi, ça collerait. Et puis, bah, bien entendu, nous avons eu nos petites dédicaces. Voilà, donc à Alex et Lola, profitez des aventures chaleureuses de Grison. Donc, chaleureuse avec le chat. Hein. Je vous souhaite une excellente lecture. Voilà, et donc, bah, pareil, hein, le deuxième lui aussi est dédicacé. Bon, c'est pas la même dédicace. Et pour aller avec bah, les deux tomes, nous avons craqué sur les marque-pages qui étaient aussi disponibles, voilà, à l'achat. Et qui en fait représente, alors si je me souviens bien, là nous avons Grison et là nous allons avoir bah, les autres chats qui seront présents dans les tomes. Voilà, donc on a craqué, on s'est pris la totale parce que vraiment on trouvait ça très très sympa comme concept, l'idée de suivre bah, un ou des chats qui voient des fantômes. Voilà, donc ça c'est le premier craquage commun. Ensuite, ma fille a craqué sur ce livre, Sorcière versus Mage. Donc, très très beau livre, hein. Comme vous pouvez le voir, il est magnifique. Alors, je ne sais plus trop moi de quoi ça parle. Dom a rejeté la sorcellerie depuis des années. Elle vit peinarde à Paris jusqu'au moment où sa mère l'envoie contre son gré à Los Angeles rejoindre Alexios pour apprendre à devenir une sorcière. Pour Dom, hors de question de replonger la tête la première dans la magie. Pourtant, entre sa cohabitation, j'ai du mal aujourd'hui, hein, forcée avec son mentor qui s'avère à la fois agaçant, sexy et mystérieux, la découverte d'un autre monde peuplé de créatures surnaturelles et sa mission de surveiller la porte des enfers, ses opinions sont limitées. De son côté, Alexios voit son quotidien bouleversé par l'arrivée de Dom, en marge de l'ordre des mages. Il n'a pas eu voix au chapitre et va donc devoir faire contre mauvaise fortune bon cœur. Toutefois, le charme de la jeune femme ne le laisse pas indifférent, tout comme sa personnalité explosive qui dissimule des fêlures, un trait qu'ils ont en commun. Deux êtres abîmés par un passé tumultueux, éloignés de la magie, qui vont devoir s'allier pour sauver le monde. Voilà, donc
ma fille a craqué et franchement, elle a bien fait puisque je pense que je lui piquerai. Ensuite, alors je vous avais dit là que j'allais vous parler d'une autrice, alors je ne sais plus où j'ai mis le papier. Ouais, je l'ai plus là sous la main. Je vous ai dit, ouais, elle, je vais vous en parler après parce que ma fille a craqué pour un de ses livres. Eh bien, c'est celui-là. En fait, elle avait ce livre-là qui est un one-shot et elle avait sinon aussi une saga et puis je crois d'autres choses, mais ma fille hésitait entre la saga et le one-shot. Finalement, elle est partie là-dessus. Je lui ai dit, bah, comme ça, au moins, c'est un one-shot, tu lis, tu verras bien vraiment si t'aimes la façon d'écrire, hein, la plume de l'autrice. Et puis, bah, après, rien n'empêchera de commander les autres. Et du coup, bah, c'est aussi un livre que je lirai parce qu'il a l'air très sympa. Le Pacte des âmes, le premier traître. Bah, je ne vais peut-être pas tout vous lire, mais dans ce que je me souviens, elle nous a expliqué que ça va parler un petit peu de... Alors, je crois que c'est celui-là, hein, la fille de Lilith, qui est censée... travailler en fait, hein, s'occuper des enfers et tout, mais donc la fille de Lilith et de Lucifer, je crois, elle a pas envie, elle veut s'éclater, elle veut faire autre chose, il paraît qu'elle a un côté un peu badass et tout, voilà, elle a pas envie de devoir s'occuper des enfers, et elle va passer un pacte donc avec son père, hein, donc avec Lucifer, qui va lui dire, ok, t'es pas obligé de venir gérer les enfers, à une condition, c'est que tu m'amènes, quand je te demande une âme, tu m'amènes l'âme que je veux. Donc elle se dit, bah ok, ça va être simple, sauf que, d'après ce que j'ai compris, elle va devoir lui fournir une âme où ça va être un peu compliqué, voilà. Et donc elle va se rendre compte que faire un pacte avec Lucifer, même si c'est son père, c'est pas toujours facile. Donc vraiment très très envie de voir ce que ça donne, sachant que l'autrice nous expliquait que là, pour une fois, on va avoir le côté un peu... Elle a fait des recherches sur tout ce côté mythologie et tout ça. Et on va avoir vraiment le côté vraiment féminin qui ressort. Voilà. Donc, elle lui a mis la petite dédicace à ma fille. Du coup, un livre qu'il faudra que je lui pique. Elle a aussi pris le livre Médusa, donc tome 1, il y a un tome 2 déjà, donc là, la naissance, parce que, bah voilà, elle aime tout ce qui est mythologie, donc là, on part vraiment là-dedans. Une survivante, une femme brisée, déterminée à se venger. Je me présente, Maëlys Gorgona, 30 ans, femme d'affaires et accessoirement propriétaire du club Médusa. Ce dernier point reste secret, comme mon passé. J'attends depuis 10 ans. Ils seront bientôt là à ma portée. J'en tremble de rage, mais aussi de peur. L'heure est venue de régler les comptes. N'en déplaise à mon ami Falcor, le mercenaire qui m'a trouvé, ou à Mercy, la sorcière qui m'a soignée. Leur fin est proche, et sans doute la mienne. Je suis prête à prendre tous les risques, à faire tous les sacrifices. Rien ne m'arrêtera. Mythologie, métamorphe, sorcier, action et romance... Plongé dans ce roman trépidant où vengeance, trahison et révélation. Il manque un truc là, parce que plongé dans ce roman trépidant où vengeance, trahison et révélation, et il n'y a pas la fin. Mais bon, voilà. Du coup, elle a craqué là-dessus. On verra ce que ça donne. Et pareil, j'aime bien le bouquin, l'ambiance et tout. Ça a l'air sympa. Après, bah, bien entendu, moi aussi, j'ai craqué. D'ailleurs, elle a eu aussi un... Une petite carte comme ça, je ne sais plus avec quoi c'était. Ah bah, vu que ça parle d'Athéna et tout, ça devait être avec le livre Médusa où l'autrice faisait d'autres bouquins sur d'autres, d'autres aspects de la mythologie. Donc oui, moi j'ai craqué. Tout d'abord sur ce livre-là, regardez-moi ça. Il est sublime, non ? Moi j'ai craqué en fait bah, à chaque fois chez la même autrice, hein. Et j'ai rien que là, j'étais tout de suite attirée par la couverture. Le livre en lui-même, il est sublime. Regardez-moi ça. Donc là, incarniste. Peut-on se fier à un chien qui chante du Abba? Rien que la première phrase, c'est bon, ça m'avait chopé. J'avais une existence totalement normale avant de rencontrer Aaron, un homme coincé dans le corps d'un labrador. Oui, vous avez bien lu, un labrador. Apparemment, je serai une incarniste et je passerai mes nuits dans un autre monde. La bonne blague. Autant vous dire qu'au départ, je n'y croyais pas du tout. Mais le temps passe et de drôles d'événements font planer un doute dans mon esprit. Il me faut des réponses et Aaron va m'aider à les trouver.
Si vous voulez connaître la vérité, il vous faudra passer la porte. Êtes-vous prêt à prendre ce risque? Donc voilà, j'ai craqué déjà sur ce livre hein, de cette autrice. Et puis, j'ai aussi craqué sur celui-ci. Et là, en fait, il y a une collection. Donc là, c'est Magie, Médium et Mère Noël. Il y a aussi Magie et je ne sais plus quoi. Je crois qu'il y a Maccabée ou choses comme ça. Enfin voilà, il y en a plusieurs. Il y a Magie, quelque chose et Morito. Enfin, elle m'a expliqué que ce n'est pas des tomes qui se suivent, en fait. On peut les lire séparément, il n'y a pas de problème. Et bah là, voilà, celui Mère Noël et tout, la couverture, tout ça, ça me faisait craquer. Je sais que c'est pas la saison, mais voilà, j'avais envie. Le livre est aussi méga beau. Magie Médium et Mère Noël. Je vais casser la tronche de la Mère Noël. Donc là aussi, rien que ça, c'est bon, ça m'avait eu. S'attaquer à moi, Valentine, sorcière de mon état, fausse médium et grande buveuse de chocolat chaud, est la pire erreur qu'elle a commise. Et comme si cela ne suffisait pas, un nouveau client, Simon, aussi étrange que charmant, me rend visite pour m'accuser de voler des sucres d'orge. Évidemment, je le prends pour un fou et je n'ai qu'une seule idée en tête, me débarrasser de lui avant d'avoir des problèmes. Enfin ça, c'était avant que je me rende compte que je venais de kidnapper le Père Noël. Donc là, vraiment, je ne pouvais pas passer à côté de ça, j'ai grave envie de le lire. Mais bon, bah, j'ai des lectures déjà en route, mais voilà. Et je me prendrai très certainement les autres tomes, les autres versions hein, de ces livres, puisque, comme je vous dis, il y en a déjà d'autres. Donc, vraiment très contente. Et avec ça, bah, du coup, j'ai eu le petit marque-page qui va avec. Voilà. De la même autrice, j'ai eu aussi ce marque-page-là. Allez-vous passer la porte. Donc, bon, c'est pas le Labrador et tout, donc je sais pas si ça va avec l'autre que j'ai pris ou bah si, ça doit, parce que je vois que la... Vous voyez là le petit dessin sur le... Ici, là, on le retrouve là sur le marque-page, donc ça doit aller avec. Donc voilà, j'ai eu ça. Avec le livre Médusa, ma fille, elle a eu le marque-page... Et la petite carte, et puis elle a eu le marque-page donc des autres romans qu'elle fait, que l'autrice fait et que ma fille aimerait aussi découvrir à un moment ou à un autre. Avec celui-ci, pareil, elle a eu son petit marque-page, sachant que bien entendu, hein, tous les livres que je vous ai montrés, ils ont été dédicacés. Et donc avec ça, elle a eu aussi ceci qui donc correspond à l'autre collection de l'autrice. Et moi, avec les miens, j'ai aussi eu des aimants. Voilà. Donc, vraiment très, très contente. On a passé un super moment. C'était excellent. Voilà. On est ravis. Et on a appris qu'il y aurait un salon littéraire courant début septembre, je crois qu'on nous a dit, à FUVO. Donc, on va sûrement y aller. Voilà. Je vous parle beaucoup de bouquins, là. Mais bon, forcément, ça a été pas mal dans les... dans tout ce qui a pu se passer là dans mon quotidien ces derniers temps. Sinon, j'ai terminé le livre Happily Ever Island. Donc là, si vous aimez Disney, c'est totalement pour vous, en particulier si vous êtes fan de Disneyland aussi, hein, pas que des Disney, des dessins animés. On va suivre, alors il y a, le nom c'est Madison, voilà, qui est une méga fan hein, de Disney, et gagne un concours pour aller sur une île qui s'appelle donc Happily Ever Island, qui n'a pas encore ouvert au public. Hein, là, c'est vraiment pour être en gros les premiers à y aller, à découvrir ce que ça donne. C'est une île sur laquelle vous allez pouvoir incarner le personnage Disney de vos rêves. Voilà. Vous passerez une semaine dans le rôle de ce personnage. Il y aura des moments magiques vraiment autour du personnage en lui-même. Vous aurez les tenues, vous ferez tout comme le perso. Il y a aussi des petits ateliers, par exemple, va y avoir la descente en kayak, plutôt en canoë, comme si vous étiez sur la rivière avec Pocahontas. Vous avez comme ça des petits ateliers un peu sympas. Et donc, Madison, ayant gagné, va décider d'y aller avec sa meilleure amie qui s'appelle, alors à chaque fois, elle, j'ai du mal, Lani. Qui, elle, n'est pas du tout fan de Disney, mais qui, voilà, va l'accompagner, elles vont y aller ensemble. Et
L'Annie, qui elle est plutôt du style à ne penser qu'aux études, à son futur, ainsi de suite, va se retrouver plongée au milieu de tout cet univers Disney avec des gens, mais tellement fans qu'elle, elle ne comprend rien. Enfin voilà, elle est vraiment paumée au milieu de ces gens. Elle est un peu en angoisse parce que bah, elle a peur de ne pas incarner comme il faut le personnage qu'elle devra incarner et tout. Voilà, et on va avoir à chaque fois une double narration, on va dire, hein. Par moment, on a la vie, enfin, les sentiments, le ressenti de l'Annie, et à d'autres moments, ce qui se passe pour Madison. Donc, c'est très sympa, et au fur et à mesure, on a plein de petites références, hein, des petites phrases, des petites, voilà, des petites anecdotes aux différents films Disney. C'est très chouette à lire, même si je dois reconnaître que Madison, au bout d'un moment, me tape un tout petit peu sur le système, dans le sens où elle est trop Disney, et que j'ai l'impression d'être un peu avec mon fils aîné qui rabâche tout le temps des trucs Disney, qu'à force, il arrive à me dégoûter d'un truc que j'aime beaucoup au départ. Et on a l'Annie qui, elle, j'ai du mal à comprendre par moments certaines réactions. Enfin voilà, elle va cacher des trucs à sa meilleure pote Madison, alors que je comprends pas pourquoi elle lui cache, en fait. Mais bon, ça, je vous laisse le découvrir au travers du livre. Mais si vous aimez Disney, c'est un livre totalement pour vous. Voilà. Du coup, j'aurais pas mal parlé bouquin dans ce vlog. Mais bon. Je vais essayer là de reprendre un peu. Sinon, bah là, mon chéri va demain débuter un nouveau boulot. Voilà, il a été pris dans une nouvelle boîte. Donc, va falloir qu'on gère un petit peu au niveau des horaires, des choses comme ça, parce qu'il ne fera plus les mêmes horaires qu'avant et tout. Donc, gérer pour que les gamins soient prêts quand ils partent au collège, ainsi de suite. Enfin, ça va être toute une nouvelle organisation qu'on va devoir mettre en place. Mais bon, ça va se faire à la cool, hein, voilà. D'ici peu, moi, je vais devoir m'occuper d'aller gérer le chat de mon fils, hein, d'aller m'occuper de Plume pendant quelques jours parce que lui va pas tarder à partir pour Lyon quelques jours pour le concert de Tété. Voilà, hein, il est tellement fan et tout. Là, il a le concert bientôt, donc il est au taquet. Et bien entendu, il faudra aller s'occuper un petit peu de Plume. Donc bon. Plume que vous avez pu voir hein, d'ailleurs au début de la vidéo, puisqu'on a passé, on s'est fait une petite journée chez mon fils, on a mangé chez lui et tout, et donc petite Plume était là toute contente dans sa boîte à chaussures qu'elle a décidé de s'approprier, donc mon fils lui a gardé. Donc voilà, je vais voir ça, et puis bon, bah là cette semaine, rendez-vous médicaux, j'espère réussir à voir ma copine Johanna cette semaine. Et dans le mois, oui, c'est à la fin du mois, là, il y a donc un livre de. Enfin, le bloc là, des colos mystères que j'aimerais bien me prendre. Donc voilà. Ça, c'est les petits trucs. Ah, puis si, puis j'ai mes deux plus jeunes qui donc, eux, à la fin du mois, partent comme ma fille l'avait fait l'année dernière, partent avec l'école pour une semaine sportive. Alors c'est bête parce que bah, du coup, mon chéri, lui. Avait là toute cette semaine de libre, puisqu'il avait terminé son autre boulot et que donc il s'est gardé une petite semaine plus zen avant de commencer dans sa nouvelle boîte. Pas de bol, c'est pas au moment où les deux autres ne seront pas là, donc ça aurait pu être chouette, on aurait eu vraiment une semaine complète tous les deux, mais bon. On aura les soirées plus à la cool. Et je vais donc essayer d'avancer un peu niveau colo, parce que là, comment vous dire que bah, on est bientôt. À la moitié du mois, et j'ai même pas fini un colo, comme vous pouvez le voir, mais parce que j'ai été beaucoup à faire d'autres choses, à bouquiner. Donc, bon. Et je voudrais enfin me remettre dans un DP. Ça aussi, j'en ai pas fait depuis un moment. Voilà. Ah, puis dernier petit truc, oui, je vous ai pas montré. Là, j'ai reçu des petites bricoles que j'avais commandées sur AliExpress. Ouais, c'est ça, sur AliExpress. Donc, je vais vous montrer ça avant de mettre fin à ce vlog qui aurait été un vlog peu colo et beaucoup lecture. Bon, j'espère que ça vous plaît quand même quand je vous parle un peu lecture. Voilà, j'ai reçu pas mal de petits stickers pour les ongles. D'ailleurs, ça tombe bien parce que là, il faut vraiment que je refasse ma manucure. Alors, je vais vous rezoomer un peu. Voilà, donc j'en ai reçu aussi bien des versions
version Disney que des stickers totalement hors Disney. Voilà, je me suis pris ça. Des petits Stitch. Du Pikachu. Sailor Moon. Et là, on a Tic et Tac. Ensuite, j'en ai d'autres. Alors, je vais en avoir des où ça va être la première fois que je vais essayer. Parce que jusque-là, j'ai toujours pris que des stickers qui collent directement. Et là, ma fille voulait voir. Alors, ça, normalement, c'est pour elle. Elle veut en tester des... Enfin, elle a craqué sur cela. Et on a vu que c'était des où il faut d'abord les plonger dans l'eau pour qu'ils se décollent. Un peu comme c'est un côté décalcomanie, quoi. Donc, on va tester ça. On verra bien ce que ça donne. Ouais, c'est pas top qu'il les ait pliés comme ça au milieu, mais bon. Donc là, elle a tout un côté mer, un côté top pour les vacances, pour l'été. On a ici... Pourquoi ça ne glisse pas ? Des petites fleurs de cerisier, vu qu'elle et moi, on adore hein, les sakura. On a prévu que quand elle serait assez grande, elle aimerait se faire un tatouage avec des fleurs de cerisier. Et moi, bah, je m'en ferai aussi. Comme ça nous fera notre morceau ensemble. Sachant que j'en ai déjà. J'ai déjà quelques fleurs de cerisier de tatouer. Donc, je continuerai mon tatou en mettant ça. Alors, moi, là, je compte me récupérer cette partie et ça. Elle va récupérer les petits avocats. Dans le même genre. Alors ça, je trouvais que ça faisait vraiment estival et tout. J'aimais beaucoup, moi. J'ai pris ça. Franchement, c'est pas trop craquant. Moi, j'aime beaucoup. Et là, ma fille et moi, on adore les pandas. Donc, j'ai pris ça pour elle et moi. Voilà, plein de petits pandas. Donc, on va pouvoir s'éclater à se faire de très jolies ongles. Voilà. Bon, sachant que comme après, ma fille va justement hein, faire des études pour tout ce qui est manucure, choses comme ça. Après, elle pourra me faire elle-même de très beaux dessins sur les ongles et tout. Plutôt que d'acheter les stickers. Hein. Vivement. Vivement, vivement qu'elle sache faire ça. Bref, voilà. Bon. Du coup, moi, je vais peut-être continuer mon colo. Vous laissez là pour ce vlog qui aura été beaucoup de blabla, très peu de colo. Mais bon, j'espère que ça vous aura quand même plu et que j'aurai pu vous tenir compagnie pendant que peut-être vous étiez en train de faire du colo, du DP, de la broderie, du je sais pas, ce que vous voulez. N'hésitez pas, bien entendu, à liker et partager la vidéo. Dites-moi en commentaire hein, si... si ça vous aura dérangé ou pas d'avoir autant de blabla sur des potentielles lectures, voilà, n'hésitez pas à me le dire la prochaine fois, sinon j'en mettrai un peu moins, mais c'est vrai que là j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Et puis bien entendu, si ça vous tente, abonnez-vous, et dans ce cas-là, pensez à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Allez, moi je vous laisse. Ciao !